France. À travers ce camp des politiques, vous pouvez voir des tas de figures historiques que vous pouvez aimer ou pas, que certains aiment ou pas. Richelieu, De Gaulle, quelques autres. Ces hommes qui se sont levés et qui ont rebâti un ordre. D'ailleurs, l'histoire de France, généralement, leur accorde une légende noire à cause de ça. Parce qu'on n'aime pas les bâtisseurs d'ordre. On préfère les fouteurs de bordel. Ou les hommes du beau geste. Et j'en terminerai par là. Le beau geste que certains veulent vous vendre, c'est une habitude de loser. Chevalier Bayard, c'est un loser. Comment il est mort, Bayard? Il est mort d'une arquebusade en plein thorax. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait interdit à ses hommes le port de l'arquebuse. Arme de dernière génération, parce que c'est une arme de lâche. Elle était moins belle que le corps à corps. Ses hommes ont été massacrés. Et oui. Voilà comment s'est terminée l'histoire du beau geste. Or, malheureusement, l'honneur, aujourd'hui, nous implique pas une logique de beau geste pour se faire plaisir, mais au moins une logique de moyens, une obligation de moyens, sinon de résultats. Ou alors, comme disait Bernanos, nous devrons tendre les mains à nos chaînes. Je vous remercie.